Embarquement immédiat pour découvrir les monuments de Bordeaux à l'attention des enfants de 5 à 12 ans, accompagnés par leurs parents. C'est tout nouveau depuis le 1er juillet, avec des commentaires en français et en anglais, une version audio-guidée, simplifiée, ludique et pédagogique. L'idée, c'est de jouer sur leur attention avec des questions-réponses. Donc il y a des devinettes qui sont posées, il y a de l'habillage sonore. Donc quand on parle des quais au 18e, on entend des barriques qui roulent sur les quais. Quand on parle de la bataille de Fornoux, quand on passe devant la porte Caillot, on entend des chevaliers se battre avec des épées. Ancienne porte défensive de la ville, elle fut élevée en hommage à Charles VIII. C'est parti pour une balade d'une heure dans le centre-ville, ses façades et ses fameux mascarons. La cité mondiale du vin, ou alors la grosse cloche, ambiance. Cette cloche doit être lourde. Combien pèse-t-elle ? 7800 kilos. Qu'est-ce que tu as vu, Edgar, jusqu'à présent ? Les colonnes, le fleuve, le miroir d'eau. La plupart des bâtiments ont été construits vers le 18e, 19e siècle, ce qui fait que c'est plutôt vieux, mais les bâtiments sont tous en bon état. Dans le groupe, cette famille américaine de Caroline du Sud, enchantée. Qu'est-ce que tu as vu, toi ? Des ponts. Et des bâtiments. Il y a même ma petite qui a dansé tout le temps avec la musique, entre tout ce qu'ils ont dit. Oui. L'an prochain, des versions en espagnol et en allemand sont prévues.